Salut à tous, c'est Waze les gars, aujourd'hui on va se retrouver pour un tuto sur ma chaîne YouTube. C'est la première fois que je vous réalise un tuto et aujourd'hui on se retrouve pour tout simplement savoir comment mettre deux ou trois écrans sur un seul et même PC. Alors on voit ça souvent chez les grands youtubeurs, mais il faut savoir que c'est à la portée de tous et que c'est très très simple à réaliser. Dans un premier temps, il vous faudra tout simplement une carte graphique avec plusieurs ports vidéo, que ce soit du VGA, du DVI ou du HDMI. Si vous n'avez pas de carte graphique, il vous faudra alors une carte mère qui dispose de plusieurs ports vidéo. Quand vous avez tout bien branché sur les trois écrans, vous avez branché vos trois ports vidéo sur les trois écrans ou sur les deux écrans, il vous faudra tout simplement aller sur votre bureau, aller cliquer avec le clic droit sur le bureau, paramètres d'affichage, et là vous voyez les deux écrans. Donc là moi ils sont en simultané, c'est-à-dire que les deux images sont en même temps. C'est un peu comme vous savez dans les magasins, dans les grandes surfaces, dans le rayon télévision. Tous les écrans en fait ont la même image. Et ben là c'est à peu près pareil, l'écran du milieu et l'écran de droite ont la même image. Pour faire ceci, et ben il faudra aller dans écran multiple, et donc là moi c'est sur dupliquer ces affichages. Si vous voulez avoir un écran géant, on va dire, un écran qui s'étale de la du milieu jusque la, la droite, oui c'est ça, et ben il vous faudra mettre étendre ces affichages. Donc vous faites conserver. Hop. Et donc là moi je sais d'avance qu'il va falloir changer l'ordre des deux écrans pour pouvoir passer de la droite vers la gauche et du coup du milieu vers la droite. Donc je change tout simplement, vous restez appuyé et vous faites vous basculez et vous changez. Vous faites appliquer. Et maintenant vous avez un écran géant, vous pouvez passer votre souris sur l'écran du milieu et inversement la passer sur l'écran de droite. Donc voilà, c'était un tuto très très rapide, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. C'était Waze les gars, peace.